Yombi. Tomoni ba message otindi ezali malamu ezali ko informer biso na ndenge moko ya malamu. Kasi nalingi na pesa yo lite ya moko ndeko. Namoni quelque part o regrette, namoni quelque part tu fais des arrêts quand tu parles. Tu la kisi émotion, tu pleures même. Ça touche pas tout mingi. Ndeko. Après la personne a soigné babaka, moi non mais liak, mubali alilakati. Mubali alilaka. Ce qui a joué victoire, ce qui a longi, la joie, la victoire. Nde elakisaka mpinzoli ya miso ya mobali. Mobali abina kate. Ndenge tomonaki Fayulu azoko bina tout moment alors que a gagné eloko moko te. Mobali abinaka soki a gagné na kopesa yonda kisamoko omonaki mpe omonaka gardien de but na biso Kidiaba. Azalaki soki bi ekoti. Ce qui victoire est allé. Vous savez comment on a négocié avec Obinaboy. Et puis danse naie et qu'en dansant. N'est-ce quoi ça danse la biche. Mais un homme ne danse pas s'il n'a pas gagné. Un homme ne pleure pas s'il n'a pas gagné. C'était juste une remarque de ko Molakisi Yombi que ko sala le sous makambo ningonate. Je te comprends. Mais au lieu que émotiver bateau, ça affaiblit les gens. Il ne faut plus faire ça, mon très cher frère. Je te dis ceci avec toute déférence. Je t'aime, je te respecte beaucoup. Et la façon dont on peut s'accrocher à ça, ma lame. À ce qui concerne mon tour, il y a les beaux moments, il y a Rwanda, Paul, ce qui Paul Kagame. Qui passe devant les médias et puis à Kenya, à cause de la province du nord, la Sud Kivu. Les provinces à maman naie, les à papa naie, tous les à coco naie, ou à Kansi à cause de Ango. Et à Mikatete, bah accord ce qui accord à l'Emera, ou à signer Kayena Laurent Désiré Kabila. Kabila a coupé, qui nous montre où se trouve Kabila. Y a Mutabouma Kabila. Tu vas continuer avec des accords de quelqu'un qui est mort, ça c'est un. Ce qui a signé l'accord Moussoussou, il y a na Félix Tshisekedi. C'est entré parce qu'ils sont tous des criminels. Ce sont des amis d'Allemagne. Congo Ezali propriété à Moutou, mon côté. Congo Ezali, il y a famille à mon côté. Congo Ezali, bien public pour les Congolais. Tu ne peux donc pas prétendre échanger des signatures avec un individu. Ça prouve combien yo Paul Kagame osa anormal. Tu es anormal, tu es coincé, tu ne raisonnes pas. Tu peux vraiment prendre la portion d'un pays en échangeant des signatures avec un individu ou deux individus. Tu oses dire que tu es de connivence dans l'intimité avec certaines autorités congolaises. Le gouvernement qui est au Congo, à 99%, c'est un gouvernement rwandais, burundais, ougandais, chez nous. Tu appelles ces gens-là des autorités congolaises, sachant que Kamere n'est pas congolais. Sachant que Azarias Rubero n'est pas congolais. Sachant que Nyarugabo n'est pas congolais. Sachant que tout ce monde-là, Oyoyebi, Otia, la Congo, la armée d'Abino, ne sont pas des Congolais. Et tu oses balancer cet argument dans les médias internationaux, comme quoi ce sont les autorités congolaises, les Bapesa Kayo Yango. Ce sont tes complices
Rwanda, Burundi, Uganda, qui sont au Congo, avec certains valets, certains domestiques congolais, tels que le soi-disant professeur Boshab et le reste. Ce sont des domestiques. Congo ezali bien à mon côté. Ezali bien à bas Congolais. Les Congolais ne t'ont pas dit que Baswani pour que nous ne Congolais pas que Tolingi, Balega, Bafuliro, Babembe, Bandandete. C'est ça la signification. Nous ne voulons plus de ces gens-là. Nous voulons rester le Congo. Nous ne voulons plus de ces gens-là. Mais tu manques de conseillers en droit ou quoi? Et là, Oyo, ils allaient approuver le Parlement. Ils allaient approuver le Sénat. Il n'y a eu aucun référendum populaire pour que Batouba avec nous, ton demi, que Tokabona. Il n'y en a pas eu. Comme tu es né voleur et menteur, M. Paul Kagame, dans tout ce que tu fais, il n'y a que la ruse, le mensonge et le vol. Ben, ça n'étonne personne parce que tu as le nom d'un soi-disant saint religieux, le grand menteur biblique au monde, Saint Paul. Le plus grand menteur, saint et prophète dans la Bible. Ça n'étonne personne. Alors, lui qui est ton homonyme, Yosali Siamouanaye, ça n'étonne personne. Tu n'as pas honte, M. Kagame. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es éternel? Tu crois que tu es super puissant? Tu es un passant comme nous tous. Qui, en Afrique, parlait devant Mobutu? Qui? Mais il est mort, il est passé. Et le Congo est resté Congo. Kadhafi, que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup, où est-ce qu'il est? Mais il est foutu. Il en sera de même avec toi. Tu vas passer et le Rwanda va rester. Tu vas passer et le Congo va rester. Tu es un simple mortel, tu ne vaux absolument rien. Toi d'abord, comme tu es physiquement, avec ta physique là, tu es semblable avec une anophèle moustique. Tu as un visage trop laid, tu ne plais personne. Tu es physiquement handicapé, tu n'as que la ruse. Tu te prends pour qui toi, M. Kagame? Tu construis le Rwanda par les vols et tu crois que tu es une superpuissance comme l'Amérique? Tu n'as rien. On va te vomir comme on a vomi les autres. La romance avec l'Occident ne dure pas. Hein? Ça ne dure pas longtemps. Tu as mis ton pays en difficulté, en conflit avec tous les Africains. Tu n'es pas un Africain. Tu n'es pas un panafricaniste. Tu es un traître, un moribond politique. Un menteur, un voleur, un envié, un jaloux. Le Congo restera ce qu'il est. Tu peux continuer à tuer les gens chez nous. Tu ne vas jamais annexer le Congo, balkaniser le Congo, couper une partie du Congo et puis agrandir Nambokanayo. Tu ne le feras jamais. C'est de l'utopie. Espèce d'un malade mental. Tu souffres de la schizophrénie. Mais tu es malheureux. Mais voilà encore un président malheureux. Un vaurien malheureux.